Pour évoquer aujourd'hui la teinte du détachement dans notre vie, nous allons nous pencher sur la magnifique floraison des cerisiers. Cette fleur qui ne dure que quelques jours au printemps est le symbole de l'éphémère, à l'image de la vie de l'homme. C'est pourquoi elle plaisait tant aux samouraïs, l'interprétant comme l'être humain au sommet de son évolution, se détachant du monde. En fait, nous pouvons tous être un samouraï des temps modernes, un guerrier sur la voie de la lumière, afin de recouvrir notre paix intérieure, de défendre notre bonheur, notre liberté, de reconquérir notre autonomie et notre indépendance, notre capacité à faire des choix, et de transcender ainsi l'expérience humaine de la souffrance. Devenir conscient, toujours plus conscient. Un guerrier spirituel qui, grâce à une certaine discipline imposée de l'intérieur, va parvenir à se contrôler, à contrôler ses émotions. Mais contrôler ne veut surtout pas dire nier, dénier, refuser, réprimer, non. Contrôler veut seulement dire les réfréner pour pouvoir les exprimer au moment judicieux, pour pouvoir faire des choix permettant d'honorer son plus haut soi sans ne plus rien prendre personnellement. Le détachement signifie la fin de la souffrance. Il a tout à voir avec le fait de suivre le flux en apprenant une nouvelle façon d'interpréter les événements et de percevoir les êtres et les choses qui croisent notre chemin. Il s'agit entre autres de se détacher du regard, des paroles ou du comportement des autres qui nous empêche d'être nous-mêmes, en comprenant qu'ils voient le monde avec d'autres yeux, d'autres croyances que les nôtres, avec leur vérité propre. Ils le voient même différemment dans le moment, suivant s'ils sont tristes ou heureux, satisfaits ou envieux. Une personne qui recherche un conflit avec nous n'est en fait confrontée qu'à elle-même. Nous sommes juste un prétexte pour qu'elle puisse se mettre en colère. Les autres, tout comme nous, ont besoin de faire leurs propres expériences, leurs propres initiations, ont leurs propres leçons à apprendre. Ils sont, tout comme nous, seuls responsables de ce qu'ils ressentent, que ce soit la peine, la colère ou la joie. Se détacher veut dire arrêter de chercher à vouloir comprendre à tout prix. C'est ne pas laisser ses regards, ses attitudes, ses comportements avoir du pouvoir sur nous, nous blesser, nous ralentir ou nous immobiliser. Nous ne sommes pas responsables des pensées, paroles, actions et comportements d'autrui, dans le sens où nous n'avons pas les réponses pour les autres, mais seulement pour nous-mêmes. Mais se détacher ne veut pas dire systématiquement ignorer. Cela veut dire faire des choix responsables, c'est-à-dire se détourner ou faire une action correctrice selon ce qui est nécessaire dans le moment ou dans la situation. Mais surtout, il s'agit de ne pas souscrire, sinon c'est l'autodestruction assurée. C'est par exemple se détacher du fait qu'une personne a tort de prendre son temps et d'être lente ou de faire les choses d'une certaine manière et que l'on a raison d'être bouleversé à cause de cela. S'occuper de la manière dont les autres font les choses ou devraient les faire ou se sentir coupable parce que ceux que l'on aime ne font pas les choix qui s'avéreraient judicieux pour eux-mêmes ne peut que nous apporter de la souffrance et nous procurer un stress énorme. Se détacher, c'est permettre à l'autre d'être comme il est, sans être accroché à l'idée qu'il devrait être différent. Il ne s'agit pas évidemment de faire semblant d'aimer ce qui ne nous convient pas. Après, il s'agit juste de faire des choix afin d'être essentiel à nous-mêmes, en rapport avec ce qui nous convient et ce que l'on veut voir se manifester dans notre vie. Donc soit on reste et on prend, soit on reste mais on ne prend pas, soit on s'enfuit à toutes jambes. L'attachement au fait que les autres et le monde devraient fonctionner d'une certaine manière nous transforme en victimes. Le détachement à ce sujet procure au contraire une indéniable sensation de paix.
Le détachement ne signifie pas non plus qu'il faut se refuser de vivre dans l'opulence, financière ou autre. Il n'oblige nullement à se défaire de nos biens matériels. Il n'exclut pas de ressentir du plaisir à la vue de beaux objets. Il signifie juste qu'il devient facile de nous départir de toutes nos possessions à chaque fois que le moment est venu. C'est posséder des choses sans les laisser nous posséder, sinon nous en devenons esclaves. Tout comme dans nos relations aux autres, il convient de ne pas avoir le désir de posséder l'autre. Être détaché, c'est parvenir à apprécier et célébrer tout ce qu'on a, sans ressentir le besoin d'accumuler quoi que ce soit pour ressentir un sentiment de plénitude, ou d'être accroché à qui que ce soit pour ressentir un sentiment de complétude. C'est la liberté de suivre le flux, dans le même sens que le courant de la vie, en laissant affluer ce que l'univers nous envoie ou nous retire. Cela signifie avoir suffisamment confiance en soi pour ne pas se sentir menacé quand les événements ou les autres ne répondent pas à nos attentes. Le but est d'arriver à comprendre que chacun de nos attachements qui nous poussent à croire que les choses devraient se dérouler d'une certaine manière sont des obstacles nous empêchant de fonctionner correctement dans le grand ordre universel. C'est comme se charger d'une somme de bagages trop lourds et trop imposants qui ne font que nous ralentir dans notre progression et empêchent l'énergie d'affluer normalement. D'où l'intérêt de comprendre qu'il est totalement stérile et improductif de chercher à ce que l'un d'entre nous ait raison et l'autre tort, à ce que l'un d'entre nous gagne et l'autre perde, de se mesurer constamment aux autres et de se mettre en compétition. Tous ces comportements nous empêchent de nous aligner avec notre source et ne sont que des obstacles. Ils ne feront que retarder ce que vous avez demandé et attendez de recevoir. Le détachement signifie également que lorsque nous agissons simplement pour le plaisir d'agir, et non dans le but de réaliser parfaitement, d'obtenir une récompense, un salaire ou l'approbation des autres, nous découvrons que nous apprécions tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est à ce moment-là que le résultat et la récompense arrivent, parce que nous ne sommes plus attachés à cette perfection et à cette récompense. Et dans ce détachement par rapport au résultat, nous pourrions être amenés à recevoir bien plus que ce que nous aurions imaginé, parce que justement, nous n'attendons rien. Dans tous les cas, pour nous y aider, nous pouvons choisir d'être notre propre conseiller, une forme constante d'auto-observation, c'est-à-dire nous extraire de ce qui est en train de se jouer pour nous regarder faire. En sortant du statut de victime et en choisissant de devenir témoin de ce que nous sommes en train de vivre, notre perspective se transforme et nous devenons beaucoup moins vulnérables. Prendre du recul pour devenir un observateur et inviter l'énergie universelle à prendre les commandes de la situation permet de nous détacher. Nous arrêtons alors de créer des interférences pour laisser agir des forces supérieures, amicales et transcendantes qui nous attendent pour nous permettre de réaliser ce que nous avons été incapables d'accomplir jusque-là par nous-mêmes. Pour résumer, on peut dire que le détachement se traduit par nul besoin de posséder, de contrôler. Seul le plaisir de suivre le courant de la vie sans la conviction que les choses devraient se passer autrement. Imaginez un magnifique petit tas de sable blanc et fin dans votre main. Si vous la serrez, vous allez le perdre, il va s'écouler en fait entre vos doigts. Mais si vous la gardez ainsi ouverte, Vous pourrez profiter tout à loisir de ce sable et aussi longtemps qu'il vous plaira.
En fait, il est impossible de décider de se défaire de l'attachement aux choses, aux relations. L'attachement tombe de lui-même lorsqu'on commence à pratiquer une certaine forme d'abandon, une confiance totale en l'intelligence universelle, cette force qui meut toute chose. En fait, on se détache réellement lorsqu'on ne cherche plus à être détaché.